Pareil. Je vais essayer de coller son coude. Et là, je pisse. Mon partenaire, il va avoir une réaction. À un moment donné, il va se défendre un tout petit peu. Et c'est à ce moment-là que je vais déséquilibrer. Je vais l'amener en cercle. D'accord ? J'essaie de trouver sa réaction. Je pousse. Et ensuite, voilà. Là, on va travailler le petit matelas de jambes. Donc là, il faut bien déséquilibrer. Donc, mon poignet, il est au-dessus de sa clavicule. D'accord ? Le bras, il est tendu. Et là, j'essaie sur l'ultimata de jambe, j'essaie de rapprocher mon pied d'appui dans la jambe du même côté. Alors, ce qu'on fait pas assez, je pense. Au moment où je veux faucher, je pousse. Donc là, maintenant, ça va être. On va essayer une fois sur cette jambe, une fois au milieu. Donc ça va être plutôt tu m'attends dehors, je vais avec les fesses. En sautant. Ah, je vais regarder vos pieds. Si vous regardez vos pieds, évidemment, vous sont fœtus et vous tombez. Regardez un peu plus loin. Regardez cette contraction. Là, c'est la phase de placement. D'accord ? Et en face, et en fait dans la phase de chute du gaguet, vous devez continuer à tirer la manche, la coller à vous, mais le revers. Si la main au revers, vous la gardez dans l'axe de votre corps, vous perdez l'équilibre. Bon, bon. Que ça soit, soit en sautant. Placement. Et vraiment, vous faites un effort avec le revers. C'est même comme un coup de poing. C'est un effort de combat. Comme lui, il est au bord du corps, il est simplement créé. C'est comme un sprinter qui va faire son sprint. Vous allez créer une accélération. Ça va être. Il est arrière. Il a la même dent, un pied droit. Ouais, c'est le balai. C'est juste des bœufs, quoi. Parfois, si on n'arrive pas à faire à droite,
bizarrement, on fait à gauche, on le fait différemment. Et c'est parce qu'on le fait différemment qu'on comprend les choses à droite. Et en fait, au lieu de faire ça, c'est ça. Toi, je pars directement à la diagonale. J'enfonce le poing dans son pec. C'est pas grave si on le fait mal. Gentiment. On va voir, c'est ici, je mets la pression et ensuite je relâche. Quand je relâche, j'avance. Intéressant dans ce travail, c'est le haut du corps. Donc, on fait tranquillement. 1, 2, 3. Je mets la pression.
Relâche la pression. La main, elle monte. 1, 2.